Il y a une grosse envie de tous ceux qui sont enfermés dans les bureaux de respirer, de se retrouver. Ils veulent produire des légumes et ils cherchent un endroit où apprendre. Ils ne veulent pas de la théorie. La théorie, on en fait un peu, 20%. Il faut bien comprendre comment marche un sol, hein, bien sûr. Mais c'est surtout pratique. On apprend ici à cultiver et à sortir des récoltes. Christian Carnavalet, ben, le directeur de cette école de maraîchage, c'est qu'on y apprend la méthode traditionnelle. On fait en sorte de trouver un chiffre d'affaires et un salaire sur 1000 mètres carrés. Ce qui est exceptionnel. Et puis c'est la méthode traditionnelle, donc il y a 2 ou 3 siècles d'existence. On va planter d'une manière très dense. Donc un chiffre d'affaires en aérien et un chiffre d'affaires par terre. Et des rotations extrêmement rapides, 6 ou 7 cultures sur le même espace au lieu d'en faire 2 ou 3. C'est la méthode française, la French méthode. C'est cette French méthode qui était enseignée en France, oui, effectivement, jusque dans les années 1980, qui a été reprise par les Américains et divulguée dans le monde entier sous ce terme de French méthode. Monsieur le maire David Lisnard est phénoménal à ce niveau-là, c'est son école. Ici, le contraste entre les paillettes de la Croisette et l'agriculture, le monde paysan, donc essayer de contrebalancer ça pour montrer qu'effectivement, on est tous, qu'on est dans le métier. Il y a toujours eu ce fameux bal annuel, qui était l'endroit où les maraîchers qui travaillent énormément se retrouvaient autrefois, enfin en 1800, 1850, 1900, hein, 1950, les gens se retrouvaient une fois par an pour se reposer et pour m'amuser. Donc j'ai recréé ce bal annuel depuis 3 ans. Donc c'est la 3e session qu'on a là maintenant pour relancer cette dynamique et puis cette tradition.